نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغمة حب وهمسة روح Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai trouvée inconsciente dans sa chambre, tout simplement. Ils l'ont conduite en soins intensifs et on n'a aucune nouvelle jusqu'à présent. Vraiment? Personne ne vous a rien dit? Même pas un médecin? Nous attendons toujours pour savoir ce qu'il en est. Est-ce que tu crois que Maria mérite tout ce qui lui arrive, Fadi? Je ne pardonnerai jamais à Nour de ma vie. Est-il convenable qu'il ait fait un enfant avec Mira? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Que veux-tu, Monsieur Nour? Tu es venu pour me tuer? Est-ce qu'on pourrait avoir une conversation? C'est la toute première fois que je te vois aussi déprimé et faible. Si tu viens jouer à celui qui s'inquiète de ce qui m'arrive, ce rôle ne te va pas du tout, crois-moi. Qu'est-ce que t'as à la main? Un verre d'alcool? C'est très bien. C'est vraiment très bien. Qu'est-ce que ça peut te faire? Que veux-tu, Nour? Non, ce n'est rien. Je dis simplement que t'es enceinte et que boire n'est pas bien, n'est-ce pas? Je t'ai dit que ce rôle ne t'allait pas. Mais dis-moi, Nour, tu t'inquiètes pour qui au juste? Tu t'inquiètes pour moi ou pour le bébé qui est dans mon ventre? Ou alors pour toi-même, en fait? Ah, c'est peut-être parce que l'enfant est de toi et c'est pour ça que tu t'inquiètes. Tu as fini? Dis-moi, est-ce que t'as terminé avec tous tes sarcasmes? Alors, comment comptes-tu me faire chanter cette fois-ci? Je ne suis pas ici pour ça. Alors? Je veux que tu fasses un test de paternité. Tu es devenu fou. C'est la seule manière pour que je puisse te croire. J'ai pris assez de risques avec le bébé lorsque j'avais effectué le test ADN la première fois et je ne suis pas prête à le refaire. Je ne risquerai plus jamais la vie de mon enfant, Nour. Surtout pas après des menaces. D'accord? Si tu veux me croire, crois-moi. Sinon, tant pis, cela m'est égal. Écoute-moi. Je ne veux plus jamais me laisser berner par tous les mensonges que tu pourrais me dire désormais. Et je ne veux pas sacrifier mon bébé juste pour prouver que tu es le père. Le bébé? Le bébé? Mais de quel bébé tu parles? Tu es en train de boire. Si tu t'inquiétais réellement pour l'enfant, tu n'aurais pas bu. Alors? Écoute, il s'agit de ma vie et j'en fais ce qui me plaît. Et puis ce n'est pas toi. Toi qui avais dit que cet enfant n'était pas de toi, ne te mêle plus de ma vie. Maria et toi, vous êtes vraiment différentes. Quand elle est partie récupérer le test en risquant sa vie, c'était pour une seule et unique raison. Qu'elle ne supportait plus que je vive dans le moindre doute, tu vois. Pour l'amour du ciel, tu penses me culpabiliser avec ces mots? Quand j'ai
appris que j'étais tombée enceinte, je suis allée toute seule et j'ai fait le test. Car je tenais à toi avant. Mais maintenant, ça m'est égal, tu ne m'intéresses plus. D'accord? Et pourquoi me demandes-tu de faire cela, hein? En quoi cela va-t-il me profiter? Même si le bébé est bien le tien. N'avais-tu pas dit que tu voulais que nous disparissions? De la surface de la Terre? Que tu ne voulais plus nous voir? Je vais te dire une chose qui pourrait te surprendre. Et tu me connais assez bien, je crois. Quand Nournoa dit quelque chose, il l'a fait. S'il s'avère que le bébé est le mien, je le reconnaîtrai. Alors, docteur ? Tout va bien, madame. Je vous remercie. C'est rien. Maman, comment tu te sens ? Non, mon enfant, ne t'en fais pas pour moi, t'inquiète pas. Dis, Riyad, comment cela est-il possible ? Que s'est-il passé ? Qu'y a-t-il, papa ? Fadi est à l'extérieur, va donc voir s'il a des nouvelles de Maria. Allez. Est-ce que c'est bien la vérité? Comment a-t-il pu faire cela? Mais c'est vraiment horrible! Assez, détends-toi maintenant. N'empire pas ta santé et celle des autres. Mais c'est impossible! Calme-toi. Qui aurait pu croire que des frères et sœurs pourraient devenir ennemis? Tout ce travail, ce stress et cette course... pour que Sam y vienne et qu'il me gâche tout. Bien sûr, tous les Noah diront que la sœur est un escroc comme son frère. C'est sûr. Je ne veux juste pas avoir d'ennuis. Je veux me protéger. Mes profits avec l'entreprise des Noah sont menacés. Puisque Sammy s'est enfui, peut-être pour toujours, les Noah pourraient se venger sur moi. Comment vais-je me sortir de là? Comment? Son état est plus stable. Si elle est mieux demain matin, vous pourrez la ramener. Bien, et pour sa santé à l'avenir? Nous l'avons prévenu auparavant qu'elle traverserait sûrement toutes ces étapes. Son corps se bat, il réagit mieux que la plupart des patients qui sont passés par là, par ces mêmes étapes de la maladie. Dieu soit loué. Oui. Et pouvons-nous la voir, docteur? Juste 5 minutes pour ne pas l'épuiser. D'accord, mais ne nous voyons pas au bureau. Rencontrons-nous dans un endroit public. Nous serions beaucoup plus à l'aise pour se parler, n'est-ce pas? D'accord. Par la grâce du Très-Haut, nous nous retrouverons demain soir. Au revoir. Non, franchement, mais qu'est-ce que tu as dans les mains, là? Pourquoi vas-tu encore prendre ce risque? Je ne veux pas qu'il croie même pas une seconde que je puisse lui mentir. Quelle est cette absurdité? Il croira contre sa volonté. Si ce bébé n'est plus, alors c'est fini pour nous. L'enfant est la dernière carte avec laquelle nous pouvons jouer. Je t'ai dit 1 million de fois que mon bébé n'est pas un pion! On ne peut plus rien dire maintenant. J'ai une tâche que je n'ai toujours pas finie. J'allais te parler aussitôt après avoir terminé. De plus, quand je t'ai croisé ce midi, j'ai compris que nous étions tous deux préoccupés. Dis, tu n'es pas venu me mettre la pression, j'espère.
Tu m'as comprise. Tu vois, je ne comprends pas par exemple, moi. Et ça recommence. J'ai besoin que quelqu'un m'explique pour que je puisse bien tout comprendre. Que quelqu'un vienne me dire les choses en face, sans embâge, pas une personne qui dirait. Écoute, Naya, je n'ai pas de secret, je ne te cache rien. Il ne s'agit pas de problèmes au travail et d'intérêts familiaux. Moi, c'est sûr, je ne peux pas aller partout et en parler aux gens. C'est sûr. Mira, c'est une histoire de famille. Tu me fais rire et tu m'imites bien. Et quel est le rapport avec Mira? Je t'en prie, Madge, je t'en prie. Ne joue pas à l'imbécile. Parce que je t'ai suivi et je t'ai vu. Attends. Répète-moi ça, pardon? Tu m'as entendu? Oui. Donc tu veux dire que tu m'as espionné? Je ne t'ai pas espionné comme tu dis. Je te dis, Madge, que je t'ai suivi, c'est très différent que d'espionner. Et je t'affirme que tu es un menteur de première. Non, c'est toi la menteuse. Tu m'as espionné et tu m'as suivi à mon insu, c'est vrai ou pas? C'est vrai. C'est bien malgré moi que je t'ai espionné. Et je ne sais plus. Tu es celui qui m'a dit que tu voulais qu'on se fiance et qu'on se marie. Et que je suis ta partenaire dans la vie et la femme que tu aimes. Je ne sais pas si c'est assez. Mais pour qui tu te prends? Tu n'as aucun droit. Même si t'es ma femme, tu n'as aucun droit de m'espionner comme tu l'as fait. Ce que tu as fait est inqualifiable. C'est une honte, mais qu'est-ce qui t'arrive? Explique-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Que m'est-il arrivé? Et toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Que veux-tu? Dis-moi, que veux-tu? J'ai le droit de savoir ce que tu veux. Tu veux moi? Tu désires Mira? Ou tu veux devenir ton frère, Nour? Que veux-tu? Ce que je veux, c'est que tu t'en ailles d'ici pour éviter que tu ne fasses de scandale devant mes frères. Parce que ton esprit est fermé et petit. Tu es en train d'agir comme une gamine. Et tu ne comprends rien. Excuse-moi. Écoute, Naya, Madge ne t'a pas menti parce que c'est vrai que nous avons des problèmes à la maison. Que nous essayons de résoudre, c'est tout. Et alors? Et alors devrais-je l'écouter et me taire? Fadi, mets-toi donc à ma place. Tu as le droit, totalement. Mais je pense pas que vous devriez rompre dans ces moments-là. Vous surmonterez ça en parlant. Car tout ce qu'il m'a dit n'a pas de sens. Excuse-moi. Allô? Ça va? Naya, je t'appelle pour m'excuser sincèrement de ce que je t'ai dit la dernière fois. Je n'attends aucune excuse de toi, tu sais, Madge. Peu importe, je t'ai fait du tort et je tenais à m'excuser. Et crois-moi, je ne voulais pas t'ennuyer ou te déranger. Et je ne veux pas m'expliquer, simplement te demander pardon. Madge, je t'ai dit que je n'attendais pas d'excuses de ta part. Si tu veux parler, alors dis-moi tout, ou bien ne dis plus rien, c'est mieux. Naya, pour l'amour du ciel, calmons-nous. En temps voulu, je te dirai tout. Quand tu sauras tout, tu comprendras. Tu peux me croire. Tu verras le bien fondé de mes actes. Allô? Allô, je te parle, mais où es-tu? Je veux t'entendre le dire. Qu'en dis-tu? Madge, tu as raison. Peut-être qu'on doit rester loin l'un de l'autre. Parce que nous avons tous des problèmes et je ne serai plus disponible moi aussi. Maria est très malade. Elle est aux urgences depuis ce matin. Quoi? Je vais te faire le meilleur des cafés. Tu le préfères noir ou avec du lait? Noir, noir. Bien. Qu'y a-t-il dedans? Des papiers et des vieilles photos. Mets-les dans le tiroir du haut à l'intérieur du placard. C'est à cet endroit que je mets les vieux papiers. D'accord. C'est quoi? Quel est ce bruit? C'est rien, c'est rien. C'est quoi ça?
Ce sont de vieilles photos à moi. Des photos? C'est... Ces photos sont des photos très chères à mon cœur. Malak, ne sois pas triste. Comment puis-je ne pas l'être? Quand tu te trimbales encore avec des photos de ton ex-femme partout où tu vas? Elle n'est pas mon ex-femme. Elle est décédée et c'est la mère de Karam. Ces photos sont les seules choses. Les seules choses que j'ai gardées depuis que nous avons quitté mon pays pour venir ici. Qu'elle repose en paix. Malak. Comme je te l'ai dit, essayons de vivre le reste de nos jours calmement et sans problème. Doucement, calmement, dans l'harmonie. Que Dieu nous accorde de vieillir ensemble. Mais celle-ci, reste là-haut dans la mallette, d'accord? En haut de l'armoire. Oui? D'accord. Bien. Nour. Je suis content de te voir, dis-moi. Je pense que tu ne devrais pas monter. Que se passe-t-il? Riyad et Riyab pourraient mal réagir si jamais ils te voyaient. Riyab est au courant? Oui, elle l'est. Et Maria? Pour Maria, je ne sais pas. Mais elle va rester dans cet hôpital jusqu'à demain, je crois. Oh. Bon, tu sais ce qui lui est arrivé au moins? Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais d'après ce que j'ai compris, le docteur a dit que tout ce qui lui était arrivé était à cause du cancer. Nour. Écoute-moi, ne monte pas maintenant. Je sais ce que je te dis. Madj, est-il reparti ou il revient? Je ne sais pas, peut-être qu'il est parti. Allez-y, avancez doucement. Écoutez, aujourd'hui, il est trop tard pour voir Maria. Nous ne pourrons la visiter que demain matin. Elle était sur le point de se réveiller, j'aurais voulu la voir. Ah, c'est bon, ma tante, c'est bon. Écoutez le docteur, voyons-la plutôt demain. Je pense que vous devriez aller tous vous reposer à la maison. Non, pas question. Ma fille est à l'hôpital, je ne peux rentrer à la maison. Je ne vais aller nulle part. Maman, s'il te plaît, rentrons. Je vous en prie, ne vous inquiétez pas, je vais... Restez ici à l'hôpital. Ah, salut Madj. Comment ça c'est va, bien d'être venu. Je resterai ici. Je vous appelle s'il y a quoi que ce soit. Mais c'est impossible, c'est toi qui vas rester. Mon oncle, s'il vous plaît, allez vous reposer à la maison et on la fera sortir demain. Comme je vous l'ai dit, si quelque chose arrive, je vous en informerai. Madj va vous raccompagner. Allez-y maintenant. Quoi, on part? Oui, allons-y. Venez allez-y avec moi, je vous raccompagne. Venez. Naya. Merci. Mais de rien. Mais c'est plus honteux. Il n'est même pas venu voir sa propre femme. Je suis sûr que personne ne lui a dit, ma tante. Oh, je t'en prie, Madj. Ce n'est pas une excuse. Ne le défends pas. Je ne veux pas entendre prononcer le nom de Nour dans cette famille, compris? C'est clair? Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. Devrais-je savoir quelque chose? Écoute, ma chérie, ta mère pense juste que... Maria aurait été mieux si Nour ne lui faisait pas subir tout ça. Il n'aurait pas dû lui faire subir tant de stress. Je ne sais plus, moi. Que Dieu la guérisse. Tous les clients sont partis, lève-toi, partons. Où donc? Mais chez moi pour que l'on joue aux cartes. Je ne veux pas aller chez toi jouer aux cartes. Je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer, mec. Et tu ne veux plus dormir tard maintenant? Combien d'heures t'ai-je attendu jusqu'à ce que tu finisses ton travail? Et comment est-ce mon problème? Ton problème, c'est que tu es mon ami! Oui, tu as raison. Vas-y, et je te rejoindrai plus tard, va. Non, mon ami, on ira ensemble. Je te connais trop bien, tu me diras après que tu t'es endormi en chemin. Oh, allez, Karim, très bien. Natacha, écoute. Oui.
Je serai avec Monsieur Karim. Quand tu auras fini, ferme la porte et téléphone-moi, d'accord ? D'accord. Allons, Karim. Levons-nous, allons-y. D'accord. Viens, allons-y. J'ai attendu que tes parents soient à l'intérieur pour qu'on puisse parler tout seul, d'accord ? Est-ce qu'on peut ? Vous me cachez tous quelque chose. Maman n'avait jamais dit quelque chose sur Nour. Comme ça avant. Surtout pas sur Nour. Naya, tout ce que nous faisons, c'est pour que l'état de Maria ne s'aggrave pas. Elle n'a pas besoin de ça. Ah. Donc Maria a à voir avec ce que tu me caches. Ce n'est pas un travail familial, donc tu m'as menti. Match ? Nous allons résoudre le problème, quel qu'il soit. Le plus important, c'est que Maria ne le sache pas. Elle ne peut pas gérer ça. Quoi ? Mira. Elle est enceinte de Nour. Fadi. Comment elle va ? L'infirmière est sortie il y a une heure. Le médecin dit qu'elle va mieux. Et on pourra la faire sortir. Demain matin de l'hôpital. On perd Maria un peu plus chaque jour. Et à chaque jour qui passe, elle va souffrir davantage du cancer. Que veux-tu d'autre d'elle maintenant ? Tout ce qu'elle a obtenu de toi jusqu'à présent, c'est un cœur brisé. Tu ne pourrais pas rester loin d'elle depuis le début. Écoute, Fadi. Écoute, Nour. Je meurs lentement, avec Maria à chaque instant. Tu sais, j'ai vécu toute ma vie à l'attendre. Et maintenant, tout s'est effondré. Regarde. Regarde donc ce que j'ai. Oh, vas-y, là, joue. C'est ça, c'est exact. Le même nombre. Je suis coincé. Comment ? Non. Joue ça. Fais-le comme ça. Joue cette partie-là. J'ai besoin d'un 9. Joue-la. Voilà, j'ai joué. Bien joué. C'est très bien Et joué. Et voilà. Mais dis-moi, qu'est-ce que Karim t'a dit l'autre jour au restaurant ? Quand je suis parti, qu'est-ce qu'il voulait te dire, Karim ? Rien d'important. Vraiment, c'est rien d'important ? C'est quoi ton problème, Karim ? Peux-tu me dire ce que tu me caches ? Vas-y, joue, je ne te cache pas vraiment grand-chose. Mais je sais bien que dans l'absolu, tu n'aimes pas qu'on parle des Noahs. J'aime beaucoup qu'on parle des Noahs. Je n'aime pas les écouter ou les voir, mais j'aime bien lorsqu'on parle de ces gens. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, je te jure que tu m'embrouilles complètement. Comment faire la différence ? Il ne s'agit pas de faire la différence. Dis-moi pourquoi. Salut, Riyad. Non. Non, je suis chez Karim. Non, attends, je n'ai pas encore joué. Nous jouons à une partie.
Mais oui, viens donc. Billy, qu'on joue. Fatigué? D'accord. Comme tu veux, à plus tard. Salut et à bientôt. D'accord, au revoir. Pourquoi l'as-tu invité à... Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu agis comme un gosse. Où est-ce que tu joues, Karim? Où est-ce que tu joues? D'accord, c'est bon, j'ai compris. J'ai même pas fini. Je n'ai même pas fini de jouer, mec. D'accord, je vais relancer, allez. Joue donc, joue. Allez, tu as quel chiffre? J'ai tiré le chiffre 6. Vraiment? À mon tour, je vais jouer. Donc ça t'a amené de là à là? Et voilà. C'était là? Oui, c'était à la porte. Vas-y, joue. Vas-y. Non, c'était ici. Je jure que c'était ici, à la porte. Dites-moi tout, docteur. Ce que j'attendais, ces produits, Dieu merci. Oui, Dieu merci. Est-ce que c'est possible de la ramener à la maison? Je préfère qu'elle reste quelques jours par sécurité. Docteur, je la connais très bien. Si vous lui donnez le choix, elle choisira de rentrer à coup sûr. Si c'est le cas, alors je préfère que vous suiviez quelques cours d'assistance médicale, d'accord? Comme ça, si quelque chose lui arrive, vous ou quelqu'un de sa famille saura quoi faire. Maintenant, elle s'est réveillée et vous pouvez la voir. Merci. Je suis contente que vous allez mieux. Merci. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va? Comment tu vas, ma belle? Pourquoi vous inquiétez-vous tous pour moi? Non, vraiment, tu me poses cette question? Vraiment? Tu n'as aucune idée pourquoi? Où sont maman et papa? Ils sont en route, ils arrivent. Ils doivent être inquiets. Pas tant que ça. Parce que nous étions tous confiants que tu allais te rétablir... Très rapidement, ma chérie, c'est sûr. Je suis dans la phase la plus dure maintenant. Qu'est-ce que tu racontes? Laisse-moi te dire que tu sortiras de l'hôpital aujourd'hui même. Je sais très bien ce qui m'arrive. Je sais ce que c'est ce médicament. J'en sais beaucoup plus sur l'étape que je traverse. Vas-y, je sais qu'à tout moment, je... Non. Je ne veux pas... Entendre ça sortir de ta bouche et tu devrais complètement oublier cette maladie. Oublie-la. D'accord? À ton tour pour l'échantillon ADN. Noor, tu me crois et... Je sais que tu me crois, je le sais. Mais tu repousses l'échéance. Payez-vous en espèces ou en par carte, monsieur? D'accord, monsieur. Félicitations. Merci beaucoup. Tenez. Merci. Félicitations. Merci. Merci beaucoup. Hey. Comment tu vas ces temps-ci? Grâce à Dieu, je vais bien. Même très bien. Tu vas bien? Que me veux-tu, Karam? Regarde-moi dans les yeux. Voilà.
Est-ce que c'est mieux? Pourquoi tu t'infliges toute cette torture? Karam, s'il te plaît, ça suffit. Je ne veux plus parler avec toi, car à chaque fois qu'on parle, on finit tous les deux par se disputer. Laisse-moi tranquille, et laisse-moi donc vivre ma vie! Parce que tout le monde est en train de me dire que ce que tu fais est mal. Amir n'est pas un bon type. Ça suffit maintenant. Celui dont tu parles, c'est mon mari, le père de mon fils. Et tout ce qu'il fait signifie le monde pour moi, et tout le monde a bien tort, tu m'entends? Content? Non, vraiment. Sarah, tant que tu le suivras aveuglément, personne ne sera content. Je ne suis personne, Karam. C'est mon mari, le père de mon fils. Je l'aime, tu m'entends? Et je veux vivre avec lui comme les gens normaux. Pourquoi penses-tu que je ne suis pas assez bien? Pour vous permettre d'être en paix, nous partirons de ce pays. Assez! Que Dieu soit avec toi alors. Quoi, c'est toi, Malak? Oui, c'est bien moi. Qu'est-ce que tu en penses? Voyons voir ça. Qu'est-ce que tu t'es fait? Quoi, je ne suis pas jolie? Mais non, c'est très joli, mais je veux savoir ce que tu as fait. J'ai pris des vacances et je me suis fait un relooking total, mon amour. J'ai du mal à croire que c'est la même Malak, qui était super timide le jour de notre mariage. Oh, arrête! Arrête de me le rappeler! Assez! On va oublier cette histoire, d'accord? Tu ne sembles pas vouloir faire quoi que ce soit. Non, j'ai juste ressenti de petites douleurs au dos. Alors je me suis assis, maintenant ça va mieux, je t'assure. Est-ce que tu as mal au dos? Tu veux que je te masse un peu? Non, merci. Je me suis détendu et je ne resterai pas longtemps, j'ai un travail important. Tu as le cœur de me laisser comme ça? Vois ce que je fais pour toi. Ou tu n'as pas aimé ma nouvelle tenue? Non, non, c'est très joli. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Maya travaille très bien à son nouveau poste. Il a réussi à écouler toute la marchandise que papa avait dans son dépôt. Il est très efficace, tu sais. Bravo, c'est bien pour lui. Il dit qu'il sera maintenant responsable du bureau du quai. Et papa aussi semble être d'accord. Mais maman a peur de le lui confier, tu vois. Je ne la comprends vraiment pas. Elle ne fait pas confiance facilement aux personnes, tu vois. Elle restera toujours comme ça. Est-ce qu'elle a accepté de te donner la galerie? Je n'insisterai pas encore, j'attends mon diplôme. Ensuite, je vais me tenir devant elle et dire « Donne-la, moi, je veux avoir la galerie. » Ne t'inquiète pas, j'en parlerai avant avec elle. Je pense que maman et papa devraient tous les deux se reposer. Et maintenant, vous devez bien prendre soin d'eux. Pourquoi tu dis cela? Tu parles que de nous et toi, qu'est-ce que tu feras? Je suis heureuse avec vous. Où est Fadi? Il viendra me voir ce soir. Il suit un cours d'assistance médicale pour moi. C'est incroyable à quel point cet homme t'aime, Maria. Il ne regarde personne d'autre. Il est unique. Et tu le mérites amplement, ma belle. Je t'aime, Luna. Et toi, pourquoi? C'est rien. Tu es toujours aussi triste. Monsieur est dans son bureau. Merci. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Réponds-moi un peu lorsque je te parle. Je ne suis pas venue pour toi, d'accord? Tu marches comme si l'endroit t'appartient. Nour,
Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Qu'est-ce qui ne va pas? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Comment ose-t-elle venir ici? Arrêtez, arrêtez ça, c'est bon. Personne ne doit élever la voix dans les bureaux de ma compagnie, Annie. Maintenant, je sais comment tu as perdu ton argent en Égypte. C'est bien à cause de lui. Tu vas te taire, oui? C'est bon, Annie. Calme-toi. Je m'occupe d'elle, laisse-nous seuls, s'il te plaît. C'est bon, je m'occupe. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Je vais gérer, t'inquiète pas, Annie, je comprends. C'est bon, laisse-nous, d'accord? Pas un mot. Pas un mot. Viens t'asseoir, allez. Je veux m'excuser pour tout ça, mais non, le fait est que... Non, ne t'excuse pas et ne dis rien, ne parle pas. Bon, dis-moi, pourquoi t'es là? Je voulais savoir si les résultats d'analyse sont connus. Ils sont connus. Ils sont connus. Alors tu me crois? Tu crois que j'ai été honnête avec toi? Tu vas reconnaître l'enfant comme tu me l'as promis ou pas? Ah, Mira. Mira, je suis complètement perdue en ce moment, tu sais. Je n'ai pas risqué ma vie et la vie de mon fils en faisant ces analyses pour ensuite t'entendre me dire que tu es perdue, Nour. Les temps sont durs, et c'est difficile. Je n'arrive pas à gérer tous les problèmes et les désastres qui me tombent sur la tête en ce moment. Tu considères ton fils comme un désastre? Tu me comprends pas, Mira. Cette nouvelle, ça pourrait tuer Maria. Mais qui t'a dit que Maria le saura? Enfin, parce que tout le monde autour d'elle le sait. Moi, je ne vais pas lui dire quoi que ce soit et tu le sais bien. Et ta mère? Ma mère ne dira rien non plus parce que je l'ai avertie. Mais ce n'est pas l'important. Tu reconnaîtras ton fils, oui ou non? Yeah, you.